Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment travailler avec des fichiers multicanaux entrelacés. À présent, nous allons voir comment travailler avec des fichiers stéréo, toujours dans un espace multicanal. Commençons par importer notre fichier stéréo en le faisant glisser dans le workspace. Choisissons le template Normal Player on Disk. Importons nos devices. Et créons un nouveau patch en dessous du lecteur. Importons l'objet Matrix Audio, toujours avec 8 entrées 8 sorties. Éditons le patch et choisissons 2 dans les entrées audio. Raccordons les deux premières entrées de la matrice à des modules audio in et les 8 sorties à des modules audio out. Shift Ctrl pour sélectionner les 8 sorties d'un coup. Je règle le mousse mode sur fade. Je peux ainsi ajuster l'équilibre de mon fichier stéréo sur les 8 sorties. Voyons à présent une seconde méthode. J'efface mon patch matrix en le mettant à la poubelle et je le remplace par mon patch mixeur dont vous pourrez trouver le lien en description. Je peux ainsi ajuster le niveau pour chaque sortie et linker les deux pistes de mon fichier stéréo. Je peux également créer des presets et les placer dans la grille. Il est à noter qu'en maintenant les touches Shift Ctrl, je peux également placer chaque fader individuellement dans la grille en lui affectant un niveau et un temps. De cette façon, je vais pouvoir créer des automations de volume très élaborées à partir de fade ou de courbes éditées directement dans les objets de la grille.